C'est toujours impressionnant de prendre la parole comme ça. Oui, hein, oui, oui, c'est pas si facile que ça. Vous êtes habitué. Mais... Bon, là, j'ai un peu peur quand même, non ? Ah bon, non, je crois pas. Allez, et puis, certaines années, la pierre d'or du professionnel de l'année est jumelée à une pierre d'or. Et cette année, les lecteurs d'Imoïc Expertise Pierre ont pris en dehors d'une pierre d'or et l'ont attribué, celle de professionnel de l'année, à un homme qui est très connu du secteur. Hein. Et on va demander peut-être à Monsieur le Premier ministre s'il veut bien venir avec nous pour remettre cette pierre d'or, puisqu'il nous fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous ce soir. Je suis en désaccord complet. Parce que j'ai vu quand même PPB qui a... une jurisprudence, oui. Il est venu avec son patron. C'est vrai. Moi, j'aurais pu venir avec le mien. Ah, mais je vous le demande. Parce que franchement, mon ami Nicolas, il aurait pu répondre à vos questions. Mais oui. Bon. Et au fond, alors, j'ai bien noté, j'ai tout transmettre. Hein. Là, c'est que je ne suis pas inquiet. Alors, je peux vous dire un truc. C'est que sur la résidence principale, il faudra passer sur le corps des parlementaires de la majorité pour y porter atteinte. Ah, ben voilà. Parce que, ça, je peux vous dire... que nous sommes déterminés. Méfiez-vous d'ailleurs des réformes fiscales qu'on peut vous annoncer. Parce qu'une réforme fiscale, ce n'est pas fait pour payer moins d'impôts. Non. Alors soyez... Mais vraiment, je vois qu'il y en a qui rêvent, qu'on va enlever ça, on va enlever ça. Non. Il faudra que ça, hein, il faudra que ça apporte plus d'impôts. En revanche, si on a quelque chose d'utile à faire, c'est de sortir la maison principale, y compris de l'ISF, et qu'il y a autour de la maison principale beaucoup de choses à faire qui feraient plaisir à la fois au moteur économique qu'est l'immobilier et en même temps aux familles françaises à qui on doit bien ça. Merci à vous. Merci, monsieur le Premier ministre. En plus, une annonce, un scoop. Mille merci à vous. Est-ce que vous voulez que j'ouvre la merveilleuse enveloppe ? Voulez-vous lire solennellement ? Et oui. Je vous remercie pour la prononciation. Oui, il y a déjà un indice. Vous voulez que je vous le dise discrètement à l'oreille ? Non, je voudrais que Serge nous rejoigne, car les lecteurs d'Imoïc Expertise l'ont élu professionnel de l'année 2011. Serge Zybowski. Oui, voilà. Voilà, toutes mes félicitations et le micro. Merci Jean-Pierre. Ah, on s'est quand même anglo-saxonisé, hein. Formidable. Bon, alors. Bon. Bien, d'abord, je voulais remercier l'ensemble des électeurs votants. Oui. Et dire que c'est la deuxième pierre d'or, ce qui laisse de l'espoir à tout un chacun ici présent que je reçois, puisqu'il y a 6 ans, quand j'occupais les fonctions de Christophe, j'ai eu aussi la chance de recevoir la pierre d'or investisseur, comme quoi il y a une espèce de gradation. J'ai été nommé maintenant. Cursus honorum, on et maintenant ça. Je suis promu. Voilà. Je voulais d'abord dire que je pensais que cette pierre d'or revient certes à ma modeste personne, mais aussi à toute l'équipe d'ICAD, sans laquelle la mutation extraordinaire de cette société, à la fois foncière et promoteur, n'aurait pu être possible. Je voulais aussi adresser des remerciements aux actionnaires, et plus particulièrement à mon actionnaire principal et à son directeur général, qui m'a fait toute confiance pour mener dans un contexte semi-public, semi-privé, une mutation tout à fait réussie. Je veux parler de la Caisse des dépôts et plus particulièrement d'Augustin de Romanet. Et puis, je voulais dire que j'ai la chance aussi d'habiter des bureaux qui ont été conçus par Jean-Marie Charpentier et qui lui fait, madame, très bon vivre. C'est sans doute l'esprit de votre mari qui continue à souffler sur le parc du millénaire à Paris et à Aubervilliers. Vous soyez-en, en tous les cas, remerciés. Et puis enfin, il est normal que nous ayons été nominés pour le développement durable. C'est quelque chose qui fait partie de la carte génétique d'ICAD. Je crois que les fonctions que j'occupe aussi à France Green Building Council aujourd'hui témoigne de cet engagement. C'est un engagement personnel, mais c'est aussi un engagement collectif. Et merci encore à toute l'équipe. Merci, merci Serge. Merci Monsieur le Premier ministre. On va faire la photo de famille avec vous tous. Je voudrais remercier Nathalie, bien sûr, d'avoir été là ce soir.
Tenez, prenez votre micro, Nathalie. Je voudrais remercier toute l'équipe d'Ibowick Expertise, Pierre, Valérie Garnier, je le dis dans des heures, Thierry Moutier, Catherine Boquet, Alexandre André, Patricia Moutier, Ferhat Dendoun, Adèle Bouet, Sandrine Thomé, les équipes techniques de Claude Bloch. Merci à vous d'avoir été présents pour cette première partie de cette grande soirée de gala. Et puis nous allons continuer avec de la musique. Nous allons monter boire un peu de champagne et puis nous dînerons tous ensemble. Mille merci et rendez-vous pour les Pierres d'Or 2012. Merci. Merci à Pascal aussi. Voilà.